Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc nous allons commencer donc la présentation du projet ainsi que la conférence dans 2-3 minutes. Je vais vous demander à tous et à toutes également de bien, s'il vous plaît, éteindre vos moyens de communication, donc c'est-à-dire les mettre, ou en tout cas les mettre en mode avion et sans son, s'il vous plaît. Merci. Je vais demander aux 2-3 personnes voilà, de s'asseoir, comme ça nous allons pouvoir commencer en temps et en heure. Donc je rappelle aux personnes qui viennent d'arriver de bien couper les moyens de communication, s'il vous plaît, vraiment pour le confort de tout le monde, donc mettre vos GSM en mode avion. Voilà. Donc, chers parents, chers professeurs et élèves, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous présenter. Donc, avant de présenter pardon, ce projet interdisciplinaire, ainsi que notre conférencier, M. Winan, permettez-moi tout d'abord de réitérer mes meilleurs voeux pour cette année 2023, puisse-t-elle sincèrement vous apporter bonheur et santé au quotidien. Madame Pirlo, malheureusement, voilà, elle est de tout cœur avec nous, donc directrice de l'établissement, étant malheureusement retenue professionnellement ce soir, c'est pour moi en tant que directeur adjoint une première. Et c'est vraiment aussi une très grande fierté d'ouvrir cette 8e édition des sciences amusantes intitulée Hypatia Jones et le secret de la pyramide. Notre passion pour l'enseignement, pour l'Égypte antique, ses hiéroglyphes et leurs mystères, vous n'y voyez pas de lien entre enseignement, Égypte antique, mystère, hiéroglyphes, quoique, ainsi que notre attachement pour le personnage d'Indiana Jones, incarné par l'impérissable Harrison Ford, sont, je pense, autant de points communs qui nous réunissent ce soir. Durant près d'une semaine, nos élèves des sections scientifiques transmettront à plus de 700 élèves du primaire leur savoir, leurs compétences, mais aussi et surtout leur amour pour les sciences. Au programme, rien de moins qu'une escape game, plus vraie que nature, pouvant emprisonner celles et ceux qui osent piller les trésors de l'Égypte, mais aussi des expériences variées animées par nos élèves de sciences appliquées, techniciens et techniciennes chimistes et informatiques, ainsi que des décors somptueux en lien avec l'univers égyptien créés par nos sections d'art et d'infographie. Pour la petite histoire et pour être passé encore ce matin lors des ultimes répétitions, je peux vous assurer que le résultat est vraiment, vraiment à la hauteur et bluffant. Et je tenais vraiment également et sincèrement à féliciter toute l'équipe et les élèves pour ce magnifique projet. Pour ouvrir cette semaine des sciences amusantes, pas question de faire les choses à moitié. L'équipe pédagogique a, comme toujours, j'ai envie de dire, vu les choses en grand et a souhaité partager avec vous les compétences et les connaissances d'un des plus grands spécialistes de la langue et des textes de l'Égypte ancienne, le professeur Jean Winan. Outre sa fonction de chercheur, notre orateur dirige également le service d'égyptologie de l'Université de Liège, université dans laquelle il exerce depuis l'année 2018 comme premier vice-recteur. Je pense que tout comme moi, vous êtes certainement toutes et tous très impatients d'entendre ce que notre orateur a à nous dire sur les mystères des hiéroglyphes égyptiens. Je laisse donc le micro au professeur Winan. Alors, ça, petite info pour les personnes qui sont sur YouTube, le fil d'actualité est ouvert et donc les questions peuvent être posées sur ce fil d'actualité-là, et notre conférencier y répondra en fin de conférence. Je vous passe pas besoin de micro, puisque vous avez le micro-cravate. Merci pour cette introduction. Merci pour la présentation généreuse. Je ne savais pas qu'il y avait un lien direct avec Indiana Jones, autrement je serais venu avec la panoplie complète, avec les guêtrons, la cravache, les chapeaux, évidemment.
Merci donc pour l'introduction. On va essayer, quoi, j'ai une petite heure, c'est ça, un petit peu moins, voilà. Je vais essayer de vous faire partager une passion d'abord, qui est celle de l'Égypte ancienne et plus particulièrement l'étude de l'écriture hiéroglyphique, pas tellement de la langue qui est derrière, mais plutôt celui qui est ici à l'écriture. Je vais vous proposer un parcours, si vous voulez, qui va montrer les difficultés que nous avons eues, les égyptologues, mais aussi ceux qui les ont précédés, essayer de comprendre cette écriture, et puis j'essaierai quand même de vous montrer brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et de voir quand même comment ça fonctionne, et puis il y aura lors de vous des questions, des réponses auxquelles je me soumettrai bien volontiers. Donc voilà, vous avez déjà ici en fond d'écran, pour que ce soit bien clair, une inscription hiéroglyphique, donc c'est bien de ça dont il va être question. Et donc, vous le savez, donc nous sommes en 2023, mais nous terminons l'année Champollion, puisque en 2022, c'était exactement le 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Donc Jean-François Champollion, je vous en mets deux représentations ici. Celle qui est la plus connue, c'est peut-être celle-ci. C'est une statue qui se trouve dans la cour du Collège de France à Paris. Et donc là, vous voyez un Champollion en redingote, hein, la costume normal du 19e siècle, dans la position du penseur. Il a un pied sur une statue, une tête colossale, qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes maintenant, parce que c'est vu comme une image un peu colonialiste, donc les Français ont beaucoup de problèmes avec les Égyptiens, de ce point de vue-là. Et puis à côté, une image qui est tout à fait différente, qui est le Champollion, barbu, destiné à la mode arabe, tel qu'il a pu être croqué par le célèbre compositeur qui a accompagné Champollion lors de l'expédition qu'il fit en Égypte et qu'il a retenu en Égypte pendant 17 ou 18 mois à peu près. Donc vous voyez deux images différentes. Et donc 1822, qui est donc la date qui a été retenue par les égyptologues pour marquer en quelque sorte le moment du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Mais avant d'en arriver là, ça n'a pas été si simple, et donc il y a eu quand même pas mal de péripéties, et c'est ça que je vais essayer de vous raconter maintenant. Alors, on va directement aller dans le vif du sujet, parce qu'on n'a pas tellement de temps. Je vais prendre une inscription, un peu au hasard, puisque l'inscription se trouve au Louvre, et j'ai pris la première ligne de cette inscription. Donc, vous voyez, c'est une inscription, comme il y en a beaucoup, c'est une stèle, hein, c'est une stèle qui a à peu près cette hauteur-là. En bas, il y a une représentation figurée, qui est assez visible. Et puis vous avez 14-15 lignes de texte qui sont là. J'ai pris la première ligne de texte. Alors pour votre facilité, je l'ai remise ici en clair, hein, avec que maintenant nous avons des programmes qui nous permettent de dessiner les hiéroglyphes. Et puis si vous vous mettez dans la peau d'un déchiffreur, hein, quelqu'un qui est dans l'Antiquité, grec-romaine, de la Renaissance, vous essayez de comprendre, et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez, dans un premier temps, essayer de reconnaître les sous-textes. Des choses que vous allez reconnaître. Donc ici, vous allez reconnaître une croix que vous retrouvez là. Et puis, bon, ça je vous le dis déjà, vous n'êtes pas censé le savoir, mais la progression ici c'était de la droite vers la gauche. Et puis vous allez reconnaître peut-être un faucon, ou bien un oiseau, un faucon. Ça, c'est compliqué, on va le laisser tomber. Vous allez reconnaître un vautour, un cobra. Le même groupe de signes que vous avez là, donc c'est pas très précis. Là, vous avez un roseau, bon, même si c'est peut-être un peu difficile, il y a d'autres représentations de roseaux sur des tombes avec des couleurs, et donc on peut reconnaître un roseau, même quand on n'y connaît rien du tout. L'abeille, ici. Et puis vous avez deux types d'oiseaux, vous en avez un là, supposons qu'on ne sait pas ce que c'est, donc j'ai mis oiseau 1, oiseau 2, ici une petite vaguelette. La croix au niveau, et puis vous avez ici une vitesse. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous les termine ici. Est-ce qu'on peut faire du sens avec ça? Autrement dit, est-ce qu'en prenant les quelques signes qu'on a pu identifier, est-ce que vous allez pouvoir faire facilement une phrase où vous allez pouvoir intégrer la croix, le faucon, le vautour, la vaguelette, toujours moyen, vous direz. Hein. Mais en fait, ça va quand même être un peu.
Alors, il y a une deuxième possibilité, et c'est celle-là qui a été tentée dès l'Antiquité classique, et puis qui va nous pourrir un peu l'existence pendant plusieurs siècles, c'est de dire, ben tiens, les signes qui sont là, ils ne signifient pas directement ce qu'ils représentent, mais en fait, la valeur est plutôt symbolique. Alors, j'en ai pris quelques-uns un peu au hasard, comme ça, pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Supposons que vous avez reconnu le faucon, vous dites, ben, probablement que dans le texte, il ne faut pas traduire par faucon. Mais le faucon, il est là parce qu'il représente une qualité particulière. Alors, si vous connaissez un peu l'animal, si vous avez pratiqué, c'est forcément plus clair la fauconnerie, vous savez que cet animal a vraiment comme particularité, quand il est très haut dans le ciel, de se laisser tomber, il a pratiquement connu le ciel, il atteint des vitesses entre 150 et 200 km/h. Et donc, ça peut être éventuellement, métaphoriquement, c'est-à-dire symboliquement, ça peut être peut-être vu comme un moyen d'exprimer la rapidité, supposons. La croix, c'est plus compliqué, mais il y avait des auteurs anciens, classiques, hein, grecs et latins, qui avaient repéré ce signe-là et qui avaient dit qu'un peu des Égyptiens se servent de ce signe-là pour noter la vie, le concept de vie du vivant. Pour utiliser ça, ils utilisent la croix. Et ça, ça a fortement marqué les premiers théologiens chrétiens, parce qu'ils avaient évidemment une analogie avec la croix chrétienne. Donc ça, on a un peu de base, disons, pour établir cette équivalence entre la croix et la vie. Prenons maintenant le soleil. Le soleil pourrait éventuellement être le symbole du jour par rapport à la nuit. Ça pourrait aussi être le symbole du temps. Le temps, le calcul du temps, ben c'est le jour qui se succède entre les jours. Ou bien ça pourrait aussi être le symbole de la lumière. Ben donc, vous voyez que le nombre d'hypothèses qu'on peut faire est presque infini, et donc quand vous combinez ça, ça devient rapidement très très compliqué. Comme je vous le disais, il y a quelques auteurs classiques qui ont transmis quelques valeurs de signes, pas énormément, une quarantaine, une cinquantaine. Je vous en donne juste un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est un auteur latin qui date du 4e siècle de notre ère, qui s'appelle Ammien Marcellin. Et alors, à un moment donné, dans son exposé, parce qu'il parle de l'arrivée d'un obélisque à Rome, il dit même, les Égyptiens ont une écriture un peu particulière, un peu curieuse, au lieu de d'écrire comme nous avec des lettres, avec l'alphabet, ben, ils utilisent des dessins. Et alors, je vais vous donner un exemple, Damien Marcellin, voilà, lorsqu'ils veulent exprimer le mot mère, pas la mère qu'on voit danser au fond de Golfe Claire, mais la mère par opposition au papa, donc la mère, et bien, ils écrivent un retour. Donc, j'ai écrit cet exemple-là à des textes, parce que nous avons vu qu'il y avait un retour qui s'allait dans l'inscription. Donc, il dit voilà, pour écrire le mot mère, on prend le signe du retour, et effectivement, on peut constater en égyptien que c'est bien comme ça que ça fonctionne. Pour écrire le mot mère qui se dit mout, on utilise effectivement le signe du retour. Et ajoute l'auteur, il donne toujours une explication. Il dit, voilà pourquoi ils prennent ce signe-là et pas un autre. Il dit parce qu'il n'y a aucun mal dans cette espèce selon les lois de la nature. Alors ça, évidemment, ça n'a rien à voir avec la réalité de l'Égypte ancienne. Ce sont en fait des conceptions qui traînaient dans les traités de physiologie proprement grecs et latins de la fin de l'Antiquité, jusqu'au Moyen-Âge. Et là, il suffit d'avoir vu comment ça fonctionne dans la nature pour voir que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc, les explications sont généralement incorrectes, mais la mémoire de l'utilisation d'un signe dans l'écriture hiéroglyphique, elle est en général correcte. Mais en fait, ça ne fait quand même pas grand-chose. Et donc là, je fais un grand bond, je passe le Moyen-Âge, je arrive directement à la Renaissance, et à la Renaissance, on a gardé cette idée qu'à la Renaissance, surtout donc la Renaissance, pour faire bref, c'est le 15e et le 16e siècle. Et donc quand on arrive au 15e siècle et qu'on s'intéresse à l'Égypte ancienne, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent comme document, comme matériau? Ben, en fait, pas grand-chose. On ne va pas en Égypte, très rarement, et la plupart des voyageurs qui vont en Égypte ne vont pas beaucoup plus loin, beaucoup plus bas que le Caire, et ils sont intéressés par retrouver les réalités dont parle la Bible. C'est ça qui les intéresse. Et en fait, la plupart des voyageurs qui vont en Égypte vont en fait visiter des lieux saints, ils vont à Jérusalem, et l'Égypte n'est qu'un passage. En Europe, la plupart des monuments égyptiens
chrétiens que les latins, ce sont les Romains avernés, n'ont pas encore été redécouverts au 15e siècle. Ils ne sont qu'au 16e. Donc il y a extrêmement peu de monuments sur lesquels on peut se pencher pour essayer de voir comment l'écriture fonctionne. En revanche, on a ce que les auteurs grecs et latins nous ont dit. Donc essentiellement, l'écriture égyptienne fonctionne de manière symbolique. On utilise un signe pour le symbole qui peut véhiculer, mais on n'a jamais pensé que ça pouvait être une langue. Autrement dit, et la plupart des auteurs anciens le disent, quand on a compris les symboles, chacun peut, entre guillemets, lire dans sa langue. On n'a jamais pensé que ça pouvait servir un effet d'illusion. Et donc à la Renaissance, où ce genre d'écriture est fort à la mode, parce que ça intéresse les humanistes de pouvoir trouver une sorte d'écriture universelle qui pourrait fonctionner pour tout le monde, on se dit, ben tiens, c'est peut-être une bonne idée. Ça. Et là, vous étiez tellement sûr d'avoir compris comment ça fonctionnait, qu'ils se sont dit, ben tiens, on va nous-mêmes faire des inscriptions hiéroglyphiques. Et donc, à la Renaissance, on a assisté à vraiment une effervescence d'inscriptions dans des ouvrages imprimés, dans des tableaux, éventuellement dans des sculptures aussi. On a assisté à des inscriptions qui étaient présentées comme des inscriptions hiéroglyphiques. Alors, je vous en donne un exemple ici. C'est un exemple très célèbre qui est tiré d'un ouvrage dont le titre est un peu difficile à prononcer. C'est l'Hypnerotomachia de Polyphile, c'est-à-dire littéralement le combat de l'amour en songe de Polyphile. C'est un ouvrage qui est un des tout premiers ouvrages imprimés à Venise en 1499 par Aldo Manucci, probablement un des plus beaux livres de la Renaissance. Et la photo que je vous montre ici d'une des plantes, et c'est l'exemplaire qui est conservé à l'Université de Lyon. On a la chance d'avoir une édition originale de ce très beau livre. Et donc, même si vous n'avez jamais fait de produit, ce que je suppose c'est le cas pour la totalité d'entre vous, vous voyez bien dans cette inscription-ci qu'en fait, ce n'est pas des hiéroglyphes. Hein, si vous regardez un peu, vous voyez que ce sont un certain nombre de dessins, on va dire ça comme ça, qui sont tirés d'un répertoire classique hein, de l'Antiquité romaine, et l'auteur, très obligeamment, hein, qui se dit que n'a pas compris du premier coup ce que ça pouvait signifier, ben, il lui donne la traduction. Et vous voyez que la traduction, je vous ai mis les correspondants, si par si, vous avez un mot. Et tout ça est basé sur une lecture symbolique. Je vais juste vous traduire par charité chrétienne le latin qui est ici à droite. Donc ça se traduit simplement à partir de ton labeur, offre un sacrifice aux dieux de la nature, de manière libérale, ce n'est pas possible de la perception. Donc c'est bien de nous voir avec les libéraux qui sont en train de travail de toute valeur. Et peu à peu, tu vas te réduire, tu vas soumettre ton esprit à la soumission de Dieu, qui fera une garde très sûre de ta vie, et qui, en gouvernant ta vie de manière miséricordieuse, la conservera scellée. Voilà, ça c'est la traduction de l'inscription. Et donc vous voyez que pour chaque mot, il y a un signe. On va prendre juste le premier, vous montrer comment ça fonctionne. Ça présente une tête du crâne de bœuf, c'est-à-dire un crâne de bovier, et aux formes ici pente des outils agricoles. Là, vous avez une faute, là, vous avez une faute. Et ce dessin-là est censé représenter la notion de travail, puisque à ce sens, le travail, pour la plupart des gens, c'est encore un travail agricole. Ça, c'est mon laboré. Et puis, je passe directement au groupe suivant, les 2, les 3 et les 4. De la nature. Et tout ça est contenu dans cette image où vous voyez un autel sur lequel on fait un sacrifice, un autel romain, dans la religion romaine, dans un autel avec tout ça, c'est le sacrifice. Le dieu, il est là. C'est un œil qui se trouve là, et qui, dans la symbolique de la Renaissance, l'œil symbolise sa divinité. C'est-à-dire, c'est, rappelez-vous, l'œil était dans la tombe et regarde Caïn, hein, donc c'est la divinité qui, par son pouvoir total, est capable de voir tout ce qui se passe sur la terre, même dans les yeux.
Probablement la plus importante inscription néo-hiéroglyphique. Néo-hiéroglyphique, pour faire la différence avec hiéroglyphique, elle se trouve à l'église Sainte-Croix. C'est un peu plus petit que la grandeur réelle. La grandeur réelle, c'est à peu près la totalité de l'écran. Et c'est le soubassement d'un monument funéraire qui date d'à peu près 1560, 1558. Monument funéraire d'un monsieur qui s'appelle Hubert Millemans et qui est décédé en 1558. Ce n'est pas avant 1558, il n'y a pas de raison de penser que c'est beaucoup après 1560. Et sur les deux colonnes qui se trouvent ici, vous pouvez voir, je vous en donne ici un agrandissement, vous pouvez voir une série de symboles. Et si vous êtes attentif, ce dont je ne doute pas, et que vous comparez avec la première inscription que je vous ai donnée, vous pouvez déjà repérer un certain nombre de signes qui sont communs. Alors, la difficulté de cette inscription par rapport aux inscriptions que nous avons dans les livres, c'est qu'évidemment, ici, on n'a pas la traduction. Il y a bien sûr une traduction qui a existé quelque part lorsqu'on a composé ça, mais c'est perdu. Donc là, c'est aux chercheurs à essayer de retrouver. Bon, on a pas mal de sources quand même qui permettent de proposer une traduction. Donc voilà la traduction que je vous propose pour les deux montants. Partie gauche, une déploration sur la mort. La vie est toujours soumise à la mort qui ravit, consume et tranche la destinée de tous. Je ne vais pas tomber dans l'ambiance. Et sur le montant de droite, soit une lumière pour le monde. Enfin, le montant de droite, c'est plutôt un encouragement à bien se comporter. Donc plutôt une inscription avec une portée morale, tenir pour le monde, par une sur-regarde et par le travail, gouverne ta vie de manière libérale. On retrouve un certain nombre de mots qu'on a vu tout à l'heure, à l'opposé de la mort, avec noblesse et prévoyance, heure après heure. Je n'en peux pas dans les détails d'ici, ce n'est pas le but. Mais avec tout ça, on ne sait toujours pas traduire les hiéroglyphes. On est complètement parti dans une direction qui n'a pas beaucoup d'avenir pour la compréhension même de ces inscriptions. D'abord, tous les signes ne font pas l'objet d'une interprétation symbolique. Et puis, comme je l'ai déjà dit, un seul signe peut avoir plusieurs interprétations. Comment sait-on laquelle il faut choisir? C'est un problème. Et puis, comment aussi mettre ça en mots? C'est-à-dire, quand vous avez, supposons que vous soyez sûr que le signe du soleil soit à mettre en rapport avec la lumière. Est-ce que vous devez en faire un verbe, illuminer? Est-ce que c'est plutôt un substantif, la lumière? Est-ce que c'est plutôt un adjectif, lumineux, clair? Ou est-ce que c'est un adverbe, clairement? C'est un peu compliqué. Et puis alors, comment on fait des phrases avec tout ça? Comment on fait, si on a deux verbes, comment on sait à quel temps il faut le conjuguer? Comment peut-on repérer la limite de phrase? Comment peut-on construire un texte? Donc, on s'est vite rendu compte quand même que ce n'était pas la solution. Alors on avance un petit peu dans le temps, au XVIIe siècle, maintenant à l'époque baroque, et il y a un personnage tout à fait fascinant, un jésuite, le père Athanase Kircher, qui lui a repris la question des hiéroglyphes. Il a consacré sa vie aux hiéroglyphes, donc 1602-1680, il commence vers 1630, et pendant 50 ans, il va s'occuper des hiéroglyphes. Alors comment fait-il? Reprend un peu ce qu'on faisait à la Renaissance, c'est-à-dire qu'il reste avec l'idée que tous les hiéroglyphes sont des symboles, donc il ne pense pas un seul instant que ça sert à être une viande, donc il reprend ça. Mais à la différence de la Renaissance, lui, il ne fait pas des hiéroglyphes de son cul. Lui, il va essayer d'appliquer cette méthode, la méthode symbolique, à de vrais hiéroglyphes. Donc il va, donc c'est un jésuite, comme je l'ai dit, il enseigne à Rome, il passe toute sa vie à Rome, et Rome est la ville d'Europe où il y a le plus de monuments hiéroglyphiques. On a un petit peu avancé dans le temps, mais au XVIIe et au XVIe siècle, il y a beaucoup de monuments qui se trouvaient à Rome et que les papes sont parvenus à retrouver et à redresser. Donc il y a du matériel, des inscriptions, des vraies inscriptions qui sont enfin disponibles.
Mais le père Piécher était aussi persuadé que les inscriptions hiéroglyphiques de l'Égypte contenaient un message qui, en quelque sorte, donnait les éléments principaux de la religion catholique. Et ça, ça va évidemment être un fameux coup de frein à la recherche. Alors, comment est-ce possible? Je vous explique en deux mots. Je ne sais pas quelle est votre information d'histoire biblique, on va en trouver tout ça, c'est dommage, parce qu'il faut que ça fait partie quand même de la culture, indépendamment des croyances de chacun, et ça fait partie de notre héritage culturel. Donc, vous savez probablement que, suivant la Bible, le premier homme, c'est Adam, et Dieu a donné à Adam la toute la sagesse et toute la révélation, on appelle la révélation adamique. Il va transmettre à ses enfants. Arrive le déluge avec Noé, on met les compteurs à zéro, puisque tout ce qui était à la surface de la terre disparaît, reste Noé et sa famille, sa transmission continue, et on arrive à l'épisode de la tour de Babel. Alors, la tour de Babel, vous connaissez peut-être l'histoire, sinon je vous la résume rapidement, c'est cette histoire de la démesure, en quelque sorte, des hommes qui veulent construire une tour jusqu'au ciel, alors ça s'appelait pas à Dieu, et donc Dieu décide de détruire la tour et de disperser surtout tous les peuples à travers la nature. Et ce faisant, c'est un peu un récit qui sert aussi à expliquer ça, ça explique pourquoi il y a des différences de langue entre les peuples. Donc avant, il n'y avait qu'une seule langue, hébreu évidemment, et puis quand les nations sont dispersées à la surface de la terre, comme le dit la Bible, ben, chaque nation va avoir alors sa propre langue. C'est un récit théologique, un récit de type de cause, si vous voulez, pour expliquer la diversité de la langue. Mais les théologiens, surtout à l'époque de la Renaissance et puis après, ont eu cette idée que, malgré cette grande catastrophe, chaque peuple, indépendamment de son histoire particulière, va quand même garder, même si elle n'en est pas consciente, des fragments de la révélation. Et c'est ça que Kircher entend retrouver dans les inscriptions qui sont sur les églises. Donc lui, il s'attend, et donc il a 10 longueurs d'avance sur tout le monde, mais il sait déjà ce qu'il va trouver sur les églises. Il s'attend à retrouver des fragments de la révélation adamique telle que Dieu l'a fait à Adam au début du livre. Et il pense que les églises sont les monuments privilégiés pour contenir cette sagesse primitive. Alors, comme je vous le disais, au XVIe siècle, on se met à remonter les obélisques. Il faut savoir qu'à Rome, à l'époque impériale, il y a une quarantaine d'obélisques. La moitié vient d'Égypte et l'autre moitié a été faite sur place. Alors, certains sont des obélisques de poche, hein, qui sont 4-5 mètres de haut, mais les plus grands qui viennent d'Égypte, l'obélisque de la France, est 35 mètres de haut. 35 mètres, ça nous met dans les 500-600 tonnes. Donc ici, je vous mets une gravure qui vient d'un ouvrage de Domenico Fontana, qui était l'architecte du pape, d'un des papes sextuquins de la fin du XVIe siècle, qui, lui, sur un pontificat très court, il y a 6 ans seulement, fait remonter notre obélisque. Et ici, c'est l'obélisque du Vatican qui a été remonté, ici, qui a été déplacé. C'est le seul obélisque qui n'a jamais coulé pendant tout le Moyen-Âge. Mais le pape l'a fait déplacer pour le mettre à son emplacement actuel, c'est-à-dire devant la basilique Saint-Pierre. Et vous voyez l'ouvrage que ça a demandé d'un point de vue logistique, d'un point de vue technique. Et Domenico Fontana, qui était l'architecte, était tellement fier d'avoir réalisé ça qu'il en a fait un livre et que sur une cinquantaine de planches, il vous donne des détails de l'abaissement de l'église, de son transport et puis de la manière ensuite dont on l'a redressé. Kircher, lui, du XVIIe siècle, son nom est surtout associé à deux obélisques. D'abord celui qui est actuellement sur la Piazza Navona, qu'on appelle aussi l'obélisque Pamphile. Pamphile, c'est le nom d'une grande famille romaine et c'est surtout le nom d'Innocent X, le pape qui a demandé donc, à Kircher de s'occuper des obélisques. Et ce pape-là a fait dresser l'obélisque Piazza Navona, tout simplement parce que le palais de Pamphile se trouve au Piazza Navona. Donc il trouvait ça sympa le matin, de son balcon, de pouvoir contempler un obélisque. Et puis alors, il a aussi son nom associé à ce petit
La troupe obélisque, ça, qui fait 5-6 mètres de haut, et qui est perchée sur le dos d'un éléphant. En fait, c'est une mise en pratique d'un dessin qui se trouve dans le polyphile de Colonna dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il imagine ça déjà, Colonna, et ici, le Bernin, l'architecte Bernin, responsable pour les deux monuments, avec l'aide du chercheur, a mis ça en mise. Alors, Athanasius Kircher, comme je vous l'ai dit, a écrit des quantités d'ouvrages, tous en latin, hein, je vous rassure, des in-folio. Ce personnage peut parler en in-folio. Et un de ses ouvrages les plus importants, c'est l'obélisque Pamphile. Donc, sur cette obélisque de la Piazza Navona, vous en venez ici, le frontispice. Alors, pour vous donner un exemple de la manière dont Kircher concevait. L'exemple de la manière dont Kircher comprenait les hiéroglyphes. Je vous ai mis ici ce qu'on appelle un cartouche, c'est-à-dire l'inscription où se trouve le nom d'un souverain, en l'occurrence ici, c'est un obélisque tardif, il s'agit d'un empereur romain. Dans une traduction normale, sur laquelle tous les égyptologues concordent, ça se lit tout simplement César Domitien qui vit éternellement. Et voici la traduction telle que proposée par Kircher à partir de son explication symbolique. Je vais essayer de lire ça sans trop violer. La force bienveillante et génératrice qui commande à travers la domination supérieure et inférieure augmente le flux des humeurs sacrées émanant du dessus. Saturne, celui qui dispose du temps qui fuit, promeut la fécondité du sol, commandant la nature humaine et par son influence, toute chose à vie et force. Donc vous voyez qu'avec des traductions comme ça, comme on dit, on n'y fait pas sorti. Donc il a fallu, dans un premier temps, et ça a été le travail du XVIIIe siècle, de déconstruire, comme on dit, tout le modèle de Kircher, qui était complètement admis au XVIIe siècle. Alors, au XVIIIe siècle, un certain nombre de savants se sont demandé, bien tout compte fait, ça ne s'éteint pas dans la bonne direction, et si cette écriture, finalement, servait à écrire une langue, à transcrire une langue, bonne hypothèse, qui est vérifiée encore, et puis certains se sont demandé, mais tout compte fait, c'est peut-être un alphabet, c'est un genre d'alphabet. Voilà, il y a beaucoup de types d'alphabet, on connaît l'alphabet latin, l'alphabet grec, c'est pas la même chose, et l'alphabet arabe, l'alphabet hébreu, c'est pas la même chose non plus, mais peut-être que ceci est un type particulier d'alphabet. Alors, un coup de chance qui va orienter les choses dans cette direction, c'est la découverte de la pierre de Rosette en 1799. Enfin, on est vraiment tout à la fin du XVIIIe siècle. Donc, comme vous savez, peut-être Bonaparte, encore général à l'époque, pour sa chapelle Napoléon, Bonaparte, fait une expédition en Égypte, avec bien sûr des contingents militaires, mais aussi avec énormément de savants. Des savants qui s'intéressent à tous les aspects de la civilisation, des architectes, des géographes, des spécialistes de la faune, de la flore, et aussi des dessinateurs, des linguistes et des archéologues, je ne sais pas encore ça comme ça, mais enfin, disons, des spécialistes qui s'intéressent à l'histoire de l'art. Et en 1799, dans une petite ville côtière, ici, qui n'est pas très loin d'Alexandrie, qui s'appelle Rosette, on va trouver, lors de travaux, simplement de logistique, il s'agit de consolider le mur, le soubassement d'un mur qui fait partie d'un fort, qui doit être réarmé pour contenir la flotte anglaise, et à un moment donné, on tombe sur cette pierre qui est à peu près cette ici, dite pierre de Rosette, qui à un moment donné a donc appartenu aux Français pendant 2 ans et demi à peu près, puisque lors de la débâcle française, lorsque les Français ont évacué l'Égypte, ils ont essayé de ramener la pierre de Rosette dans leur bagage, mais les Anglais qui étaient les vainqueurs se sont aperçus de l'existence de la pierre et n'ont pas accepté que les Français l'emmènent avec eux, l'ont donc prise pour eux, et c'est comme ça que la pierre de Rosette est actuellement au British Museum. Alors c'est ce qu'on appelle une trilingue, c'est-à-dire que vous avez un texte, grosso modo le même texte, qui se trouve en 3 états différents. Alors en bas, qui est la partie la mieux conservée, c'est du grec. Au-dessus, qui est la partie la moins bien conservée, c'est la partie en hiéroglyphe. Il y a 17 lignes qui sont conservées, mais vous voyez qu'ici, il manque un gros morceau.
Donc, vous pensez que ça allait jusque-là, et puis au-dessus, il y avait une représentation figurée. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle du démotique, c'est-à-dire c'est une écriture cursive qui note également de l'égyptien, mais dans une écriture différente du hiéroglyphe. L'hiéroglyphe, je vous en donne ici un agrandissement, que vous voyez un peu mieux, et on va isoler ici une partie, que je vais à nouveau agrandir, vous voyez, il s'agit ici d'une série de signes qui sont dans un cartouche. On a déjà vu les cartouches hein, tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle ceci un cartouche, pas une cartouche. Donc c'est cet ovale allongé dans lequel il y a un certain nombre de signes. Et on avait déjà émis l'hypothèse au 18e siècle que ça servait à noter soit le nom des rois, soit le nom des dieux. Ce qui était une très bonne hypothèse. Et donc, on retrouve ça dans l'inscription de Rosette. Alors, qu'est-ce que vont faire les savants ? L'inscription en grec ne posait aucun problème. C'est parfaitement en grec à l'époque, c'est plus terminant, mais à l'époque, ça ne faisait pas beaucoup de problèmes de comprendre l'inscription en grec, et donc même les militaires, hein, les officiers, pouvaient comprendre ça sans aucun problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont vu que dans l'inscription en grec, il y avait le nom d'un roi, le roi Ptolémée, et que ce nom revenait à un certain nombre de fois dans l'inscription. Et comme on savait que les signes qui étaient entourés d'un cartouche notaient probablement le nom des rois, on s'est dit, ben, on va compter dans l'inscription hiéroglyphique le nombre de signes entourés par ce cartouche. On va voir si pour les espacements, ça tombe un peu très juste, et puis on va se focaliser là-dessus. C'est ce qu'on a fait. Alors, ça a bien marché. Et donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure de ces arbénitiens, vous voyez que, j'ai mis le correspondant, pour chaque signe, vous avez une lettre de l'alphabet. Vous avez ici un K, vous avez un A, vous avez un S, un R, un S. Kaisaros. Et puis un T, un M, un I, un T, un I, un A, un M. Comme ici à Nos, je préfère Kaisaros Domitianus. C'est magnifique. Et donc c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est pas en Champollion. On arrive déjà à comprendre ça. Et on applique ça, par exemple, sur un autre cartouche ici, sur un autre monument, et on va retrouver tout ce qu'il faut pour écrire Cléopâtre, c'est-à-dire le nom de Cléopâtre. Du choc, on a trouvé le système. Oui, préférez ça. Ah, mais... Voilà, bon, bonjour les youtubeurs. Voilà, et donc c'est avec ce système-là que si vous allez en Égypte, on va peut-être vous proposer de vous graver dans un petit cartouche, que vous portez ici autour du cou, votre prénom. C'est exactement ce système-là qui est utilisé. Donc voilà, je vous en ai mis quatre ici, je vous laisse réfléchir quelques secondes. On a fait ça ? Non ? Voilà. Donc, F, D, F, R, D, A, R, I, K, Frédéric. K-A-R-O-U-R-I-N-A, Caroline, Johnny, pourquoi pas. Et puis alors ici, Sébastien, S, bah ça c'est un signe un peu plus compliqué, il vaut pour deux, je me suis permis cette petite fantaisie. Et puis à nouveau un A pour un complément de lecture, et puis voilà, Sébastiani. Ok ? Mais pour le reste, ça ne fonctionne pas. En fait, on était tombé sur un cas très particulier. Ça ne marche que pour les noms étrangers. Donc c'est un peu comme en japonais. Je ne sais pas si vous pratiquez un peu le japonais à un moment perdu, non, mais ça vaut le coup. Hein. Donc l'écriture japonaise, c'est une écriture complexe aussi. Hein. Donc il y a des kanji, c'est-à-dire des idéogrammes, qui viennent de l'écriture chinoise. Il y en a 4000 à peu près, 4-5000, quelque part par là. Et à côté de ça, il y a deux syllabaires, c'est-à-dire des espèces d'alphabet, si vous voulez. Et quand on doit transcrire un nom étranger, ben, c'est ça qu'on utilise. Et donc, dans l'écriture hiéroglyphique, il y avait cette particularité pour des noms étrangers d'utiliser entre guillemets un alphabet. Et c'est une particularité, tout ne fonctionnait pas comme ça. Donc, il a fallu à nouveau repenser le système. Et alors, quand on a eu suffisamment de documents, ben, qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'abord
commencer par compter les signes. Combien de signes différents y a-t-il dans l'écriture égyptienne? Or, à l'époque, on avait inventorié à peu près 1000 signes différents. Or, si vous regardez comment les alphabets fonctionnent, en général, vous ne dépassez pas 40 signes. En dessous de 20, c'est compliqué, mais tous les alphabets sont entre 20 et 40 signes. Donc, si vous avez 1000 signes, ce n'est probablement pas un alphabet. Ça ne peut pas être un alphabet. C'est trop compliqué. Et l'éclair de génie vient de Champollion, 1822, et alors extraordinaire, le 27 septembre. Donc, Champollion avait anticipé la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc en choisissant le 27 septembre pour faire cette fameuse lettre au secrétaire général, secrétaire perpétuel pardon, de l'Académie des inscriptions et des lettres, où il révèle les grandes lignes du système hiéroglyphique, et il réalise quoi, c'est ça le coup de génie, qu'en fait il y a trois catégories différentes de signes dans l'écriture hiéroglyphique. Alors on ne va pas être trop long et trop technique, mais il faut quand même montrer un certain nombre de choses. Donc, il y a des signes, comme on dit, qui expriment un sens, qui ont un sens en eux-mêmes, ce qu'on appelle des sémogrammes, séma en grec, et puis il y a des signes qui n'ont rien de tout ça. En revanche, il y a des signes qui sont porteurs d'une valeur phonétique, comme l'alphabet, si vous voulez, et puis il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui condensent ça. Alors, il y a des signes qui ont une valeur autonome, c'est-à-dire qu'on peut les trouver tout seul, et puis il y a des signes qui ne fonctionnent qu'en composition, c'est-à-dire en combinaison avec d'autres signes. Donc ça vous donne six classes de signes, et les principaux sont ceux qui sont en couleur. Le logogramme, le classificateur et les phonogrammes. On va parler un petit peu de ça. Alors, les pictogrammes, pour faire clair, c'est ça. Pictogramme, c'est ce que vous avez dans le code de la route, par exemple. Hein. Donc j'ai choisi celui-là parce qu'il est drôle. Si vous allez à Florence, il y en a plein, il est comme ça. Donc il y a un type comme ça qui s'amuse à travestir un peu les signes du code de la route. Il va coller comme ça des petits décals comme ça qui transforment les signes, c'est très drôle. Donc un pictogramme, ça a un sens, ça veut donc bien dire ben, vous ne pouvez pas passer, mais il n'y a pas de contenu phonétique. C'est-à-dire que si vous êtes francophone, d'abord il n'y a pas qu'une seule manière de lire le signe, vous pouvez dire... interdit de passer, on ne peut pas passer, enfin, il y a différentes manières de dire. Et puis si vous êtes anglophone, ben, vous allez dire ça dans votre langue. Donc il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contenu linguistique. En revanche, l'alphabet, c'est vraiment des phonogrammes, c'est-à-dire l'alphabet, les lettres de l'alphabet n'ont aucun sens par elles-mêmes, un A, ça ne veut rien dire, mais c'est un contenu phonétique. D'accord? Alors, un petit exemple, partie technique. Voilà comment on écrit le mot Dieu en égyptien. Alors, j'ai pris ce signe-là, ce mot-là, pardon, parce qu'il y a les trois catégories de signes. Alors, j'ai d'abord ici un signe qui est un logogramme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a un sens et en même temps est associé une prononciation, donc un contenu phonétique. C'est-à-dire que ça se lit Nature, et uniquement Nature, pas autrement, qui veut dire Dieu en égyptien. Et en même temps, c'est un contenu. Alors, ça représente quoi? En fait, ça représente un mât avec au-dessus un grand fanion. Et c'est le type de mât que l'on rencontrait à l'avant des pylônes en Égypte. Voilà une photo ici du temple de Philae. Évidemment, ces grands oriflammes ont disparu, parce que c'est des mâts en bois, évidemment. Depuis l'Antiquité, ça a disparu. On en a sur des représentations. Et voilà donc ici le profil à peu près à quoi ça devait ressembler. Donc vous voyez bien qu'ici, c'est là. C'est correct, évidemment, c'est par métaphore. Hein, donc symboliquement, on prend un morceau d'un temple comme étant le plus significatif, le temple étant la maison de Dieu, pour écrire le mot Dieu. Donc, nature. Et pour faciliter la lecture, je peux ajouter des phonogrammes, un T et un R, qui ne s'ajoutent pas au mot nature déjà présent, mais qui ne font que préciser la lecture de deux caractères ici. Et puis, pour que ce soit vraiment bien clair, je vais encore ajouter un autre signe. Oui, c'est un personnage assis et qui a les emblèmes divins. Il a la
barre de postiche hein, que vous connaissez avec le masque de Toutankhamon. Et puis ici, là, un uréus, c'est-à-dire un cobra dressé sur la tête. Et c'est comme ça que l'on représente les rois ou les dieux, c'est à peu près la même chose. Et donc ça, c'est un classificateur, ça ne se lit pas. Ça veut dire simplement que le mot qui précède appartient à la catégorie du divin. Donc tous les mots qui ont quelque chose à voir avec le divin peuvent avoir ce classificateur-là. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Vous avez donc des signes qui servent simplement au rendu phonologique, comme l'alphabet. Vous avez des signes qui renvoient à quelque chose dans la réalité, ce sont les logogrammes. Et puis vous avez des classificateurs qui rangent les mots dans des grandes catégories conceptuelles. Et c'est donc le mélange de ces trois signes-là qui font l'écriture hiéroglyphique. Alors, je reviens avec mon inscription de départ. Vous voyez bien qu'on est très loin maintenant des vautours, des faucons et des vaguelettes, etc. Puisque, voilà, ça c'est l'inscription, comme je l'ai vu, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec une lecture de la droite vers la gauche, puisque la convention, quand on ne sait pas dans quel sens il faut lire, il faut toujours aller à la rencontre des personnages ou à la rencontre des signes qui ont un avant et un arrière. Donc quand vous avez un signe comme celui-là, il n'y a pas un avant, il n'y a pas un arrière. Mais quand vous avez des signes comme celui-ci, comme les animaux, ben, il y a évidemment un avant et un arrière. Donc vous allez toujours rencontrer des signes. Alors ici, je vous les ai remis à l'endroit, parce que c'est beaucoup plus facile. Je vous ai numéroté les signes et vous voyez qu'on a alors une traduction qui est fort différente de celle qu'on pourrait avoir si on voulait simplement prendre les signes pour ce qu'ils représentent dans la nature. Et c'est simplement ici ce qu'on appelle donc la titulature d'un roi, en l'espèce ici, Mentuhotep II, qui est un roi du tout début du Moyen Empire, mais ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Alors, il n'y a pas que les hiéroglyphes. Rapidement maintenant pour terminer. Donc, les hiéroglyphes, c'est évidemment l'écriture monumentale, celle que tout le monde, entre guillemets, connaît. Mais il y a beaucoup d'autres types d'écriture en Égypte. Alors, quand vous regardez les dessins animés ou les bandes dessinées sur l'Égypte ancienne, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il fallait écrire quelque chose, on prenait une pierre, on prenait un burin, un maillet, etc. Bon, c'est pas très pratique, évidemment. Donc, dans la réalité, notamment pour les besoins de l'administration, on écrit sur des matériaux souples, comme ici un papyrus, et on écrit avec un pinceau et de l'encre. Et donc, c'est une écriture cursive qui va beaucoup plus rapidement. C'est un peu la même différence, si vous voulez, entre l'écriture imprimée et l'écriture manuscrite que vous pouvez avoir. Et donc, dans cette écriture, qui est directement dérivée de l'hiéroglyphe, vous ne reconnaissez plus ici les signes, hein, vous voyez, mais les signes sont simplifiés. Et il peut y avoir des ligatures pour aller beaucoup plus vite. C'est une écriture assez élégante. Vous voyez, avec des alternances de couleurs, avec du noir et du rouge. Et ceci est un papyrus médical qui date de à peu près 1800 avant notre ère. Quand on avance dans le temps, ça c'est du démotique. Donc c'est ce qui est présent sur la pierre de Rosette. Hein. C'est une simplification là, de l'écriture hiératique. Et vous voyez ici, sur ce petit ostracone, donc un ostracone, c'est des petits éclats de poterie ou des petits éclats de calcaire qu'on ramassait par terre, il y en avait partout, et on se servait de ça, parce que le papyrus coûte cher, on se servait de ça pour noter des petits textes qui n'avaient pas pour vocation d'être conservés très longtemps. Et sur ce document du deuxième siècle de notre ère, vous voyez qu'il y a un peu de grec aussi qui a été semélé ici dans le texte en démotique. Et puis alors ici, dernière étape de la civilisation égyptienne, le monde copte. Là, on est vraiment à l'époque chrétienne. Et à ce moment-là, la culture égyptienne a abandonné les anciennes écritures et a décidé de noter sa langue, parce que la langue, elle n'a pas beaucoup changé, mais avec un alphabet d'origine grecque. Et donc, vous voyez bien qu'il s'agit ici du grec, avec de temps en temps quelques signes, comme celui-ci, hein, qui est là, celui-là, des signes un peu particuliers pour noter des sons qui n'existent pas en grec. Et donc, il a fallu inventer de nouveaux signes pour les noter. C'est un peu le même système qu'on a en cyrillique pour noter donc, des sons dans la langue slave, russe en l'espèce, qui n'existent pas en grec. Et donc, l'alphabet cyrillique est un peu plus développé que l'alphabet grec. Alors aujourd'hui, on ne fait plus évidemment des hiéroglyphes comme à la Renaissance, évidemment, mais de temps en temps, c'est encore laissé aller à quelques hiéroglyphes. Donc je vous donne cet exemple, je ne sais pas si vous avez
était récemment, si vous êtes déjà allé au zoo d'Anvers. Alors, il y a un pavillon qui est remarquable, c'est le pavillon des girafes ou des éléphants, en fait, des grosses bêtes. Donc, ça a un petit peu varié. Et ici, au-dessus, donc sur l'entablement, on est vers 1856, quelque chose comme ça, il y a une inscription en hiéroglyphe qui a été composée pour l'occasion. Alors là, ce sont de vrais hiéroglyphes, et c'est un texte qui veut réellement dire quelque chose et qui reproduit ici la titulature de Léopold Ier. Donc c'est tout à fait amusant comme texte. Alors aujourd'hui, on se contente de lire les hiéroglyphes, même des trucs comme Anvers, on passe plus son temps à les faire. Et alors juste un petit clin d'œil pour montrer ce qu'on fait maintenant. Ben là, maintenant, on est dans des bases de données. Et donc je vous présente ici, parce qu'on en est quand même fiers, la base de données qu'on a conçue ici à l'Université de Liège pour un type de corpus particulier. Donc c'est les textes du Nouvel Empire néo-égyptien. Donc on a encodé des milliers de textes avec donc des programmes de recherche qui permettent de faire à peu près tous les types de recherches possibles et imaginables sur les textes en hiéroglyphes. Donc ici, je vous montre simplement la liste des mots hein, telle qu'elle apparaît, une sorte de dictionnaire si vous voulez. Et quand vous sélectionnez des mots, ben, vous allez directement alors dans la base de texte où vous avez l'intégralité du texte, une glose et puis la traduction alors ici. Enfin bon, je vous passe les détails, mais vous voyez, donc c'est vraiment un corpus informatisé qui permet de faire vraiment de la recherche sur les textes et en linguistique de l'Égypte ancienne comme on n'aurait jamais osé en faire ou le demander ou le souhaiter il y a seulement encore quelques années d'ici. Voilà, et avec ça, j'ai peut-être déjà été un peu long, mais je ne crois pas, 50 minutes, je suis voilà, très discipliné, voilà. Mais comme vous avez commencé à l'heure, je termine à l'heure aussi, et avec ça, je vous remercie de votre attention. Voilà, donc merci à Monsieur Winant. J'ai gardé Nous allons outils, passer au temps des questions, peut-être s'il y en a. Tu vas garder les deux micros? Peut-être juste le micro portable. Le cravate ne fonctionne moins bien. Désolé aussi pour les petits soucis de son sur YouTube. Voilà, notre Ah mais c'est le direct, hein. Voilà, notre spécialiste a pu régler ce petit souci, mais en fin de, s'il vous plaît, en fin de conférence. Voilà, je ne sais pas si est-ce qu'il y a des questions à la fois sur YouTube ou dans la salle. Il faut tout de suite passer à la deuxième question parce qu'on est toujours un peu intimidé avec la première. Allez, Rudy. Jean, est-ce qu'on a eu une idée de la raison pour laquelle ils ont conçu un mode d'écriture aussi complexe? Parce que ça me paraît quand même très complexe, hein, C'est trois. complexe, oui. Est-ce qu'on a compris pourquoi ils en étaient arrivés là par rapport à... C'est-à-dire que le ils n'écrivent pas, il n'y a pas de discours méta en Égypte, hein, c'est-à-dire que ce soit la langue, la grammaire, mais les réalités grammaticales, mais aussi les différents phénomènes scientifiques, ils ne nous expliquent jamais pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais ce n'est pas rare, je veux dire. Donc si on regarde les premières écritures dans le monde, que ce soit l'écriture cunéiforme, l'écriture maya, l'écriture chinoise, donc chinois, on est à 1200 avant Jésus-Christ pour les premiers témoignages. Écriture cunéiforme contemporain de l'Égypte ancienne, donc fin du 4e millénaire, donc 3200 avant notre ère pour les premiers témoins. Maya, c'est un peu plus récent, disons 1500 avant notre ère. Ce sont toutes des écritures complexes, toutes. Alors, comment on peut imaginer? Ben, on voit bien que dans l'écriture égyptienne, en tout cas pour les autres, je ne peux pas me prononcer, mais les signes eux-mêmes, on en a les prototypes dans les représentations figurées. Et donc, on peut imaginer que par un système de rébus, on a associé à une image une signification et puis une prononciation en particulier. Mais c'est juste une hypothèse, parce qu'on manque de documents. Voilà, mais ce qui est remarquable, c'est que pendant 3500 ans, ils ont conservé cette écriture alors qu'ils avaient tous les moyens possibles pour passer à un système alphabétique. Et donc c'est un petit peu comme l'écriture chinoise. On pourrait
écrire le chinois en caractère alphabétique. Ça s'y prête pas très bien, mais enfin, disons que c'est possible. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les étudiants apprennent d'abord le chinois. Ils viennent à l'écriture un petit peu après. Mais les Chinois n'ont jamais voulu abandonner leur système parce que quand on apprend l'écriture chinoise, on apprend la culture et la civilisation. Donc ce n'est pas seulement une manière de noter une écriture, c'est aussi une manière d'entrer dans un contenu culturel. Et ça, on l'oublie parfois un peu. Mais l'écriture chinoise est infiniment plus, pas plus complexe, mais demande des efforts en mémorisation beaucoup plus importants, puisque là, on est sur un répertoire total de 75 000 signes. Donc mais disons que le chinois moyen en maîtrise 6-7 000, et ça va aller jusqu'à 20-25 000, quelque chose comme ça. Ils sont beaux. Mais on nous annonce que ça va être divisé par deux. Allez, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de question idiote, hein, je le précise tout de suite. Je pense que oui, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc la question était, est-ce que sans la pierre de Rosette, on aurait pu trouver la clé du déchiffrement ? On arrive à déchiffrer des écritures sans avoir une bilingue. Mais ça prend plus de temps. Les documents que nous avons. Donc si je prends par exemple l'étrusque, donc les langues dont on ne sait toujours pas d'ailleurs à quoi elles se rattachent, ce n'est pas de l'indo-européen, donc ça ne fait pas partie des groupes de langues qui sont normalement parlées en Europe. Et la difficulté du déchiffrement de l'étrusque, c'est que le nombre d'inscriptions qu'on a conservées est, un, extrêmement réduit, et deux, est très formulaire, donc ça répète toujours à peu près la même chose. Donc on sait, etc., on sait comment on dit « il est mort » à telle date, mais on ne va pas plus loin. Mais du moment qu'on a suffisamment de documents, avec les techniques qu'on a maintenant, je pense qu'il n'y a pas une langue qui résisterait. Ça peut prendre du temps, mais il n'y a pas une langue qui résistera. Alors, ça va être facilité, par exemple, le linéaire B, qui est une écriture ancienne, conservée surtout en Crète et en Grèce, et qui note du grec ancien, mais qui n'a rien à voir avec l'alphabet grec. On ne comprenait pas ça, mais on est parvenu à déchiffrer. Mais là, on avait un avantage sur l'égyptien, c'est que le grec, on le connaissait. Donc l'égyptien, c'est compliqué parce qu'on ne savait pas le lire et on ne connaissait pas la langue égyptienne. Alors il y a les cas les plus favorables, c'est quand on connaît la langue, mais on ne connaît pas l'écriture. Donc une fois qu'on a déchiffré l'écriture, on retombe sur ses pattes parce que, ah oui, c'est dû, et alors la langue, on la connaît, ça va beaucoup plus vite. Donc le cunéiforme, par exemple, quand on a déchiffré le cunéiforme, on a vu que c'était une langue sémitique. Fortement apparentés à l'agré sont beaucoup plus rapides. Tandis qu'ici, l'égyptien, c'est une langue morte et qui n'est pas apparentée à aucune autre langue. Moi, j'avais peut-être une question. Voilà. Si on prend le cas du français, par exemple, oui. Nous constatons qu'au fil des années, nous avons tendance, je pense, à simplifier un petit peu notre écriture. On retire, par exemple, l'accent circonflexe certains mots. Je voulais savoir si dans d'autres langues, si on avait l'effet peut-être inverse. Est-ce qu'il y avait parfois des complexifications où la tendance est plutôt pour l'ensemble des langues à aller vers une simplification du langage, une simplification de l'écriture ? Okay. Bah, d'abord, il faut bien distinguer deux choses, la langue et l'écriture. Ce n'est pas la même chose. Donc, on peut écrire à peu près n'importe quelle langue avec n'importe quelle écriture, même si certaines écritures sont mieux adaptées pour certains types de langues, mais il y a des langues qui ont changé complètement d'écriture. L'égyptien a été écrit avec une écriture hiéroglyphique, puis quand on passe au copte, c'est un alphabet. Si vous prenez le turc était écrit jusqu'en 1920, quelque part par là, en écriture arabe, maintenant c'est avec une écriture de type latin. Donc il faut bien distinguer les deux. L'évolution normale des langues, c'est d'aller vers une, je ne dirais pas une simplification, mais une économie linguistique. C'est-à-dire, ça c'est le phénomène normal des langues, c'est d'aller vers une simplification et surtout d'aller vers essayer de supprimer les exceptions.
Alors, qu'est-ce qui freine ça? Ben, c'est l'école et les académies qui régulent la langue et qui empêchent la langue d'évoluer trop. Donc, si vous avez, probablement que ça a été le cas de vous tous, de nous tous, parce qu'on doit s'inclure là-dedans, ben, quand on est petit et qu'on apprend le français, il est tout à fait normal de dire « nous disons, vous disiez ». Et c'est les parents, et puis c'est l'école après qui dit « non, vous dites ». Nous faisons, vous faisiez. C'est la chose tout à fait normale. Et le pari qu'on peut prendre, c'est que dans 100 ans, on dira ça, probablement. Donc ça, c'est la règle de l'analogie qui va vers une simplification. L'écriture, maintenant, ça, c'est autre chose. Alors l'écriture, elle, si on la prend dans son système alphabétique, on souhaite que l'écriture cale au plus près de la langue. Et donc, vous avez des alphabets, des systèmes d'écriture comme le néerlandais, par exemple, où il y a très peu d'écart entre ce qui était écrit et ce que vous prononcez. En français, en revanche, et en anglais, l'écart est énorme. Pourquoi ? Parce que l'écriture est conservatrice. Parce qu'on estime, je ne sais pas qui est on, mais disons les académies, l'école, etc., estiment que c'est intéressant de garder une trace de l'histoire du mot. Donc, quand vous écrivez le temps, pas l'insecte, mais le temps, la chronologie, vous écrivez T-E-M-P-S. Pourquoi ? Parce que ça rappelle le tempus du latin. Et puis, dans l'adjectif temporel, vous récupérez le P. Donc, ça paraît intéressant de le garder. Mais ça ne se prononce pas temps, évidemment. Ça se prononce temps. D'où la difficulté. Et le débat qu'on a, notamment en francophonie, est toujours de dire, mais tiens, parliez de l'accent circonflexe, jusqu'où doit-on aller dans la simplification de l'écriture pour que ce soit moins difficile à apprendre? Et puis alors, il y a le côté conservateur qui dit, oui, mais attention, c'est quand même intéressant de conserver un certain nombre de choses. Alors, pour l'Égypte ancienne, on a un peu les deux phénomènes qui sont illustrés. Dans l'écriture cursive que j'ai montrée, donc pinceau et encre, hiératique et démotique, c'est une grande simplification de l'écriture. C'était pratiquement jusqu'à presque un modèle alphabétique à la fin, parce qu'il fallait que, pour les besoins d'administration, beaucoup de gens puissent écrire. Et puis, alors, il y a le système hiéroglyphique, qui est le système monumental, et qui, lui, va exactement faire ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire de l'Égypte ancienne, donc on a l'époque gréco-romaine, le nombre de signes va être multiplié par 5. Donc, on va passer d'un stock de 1200 signes à 6-7000. Et donc, ceux qui maîtrisent encore cette écriture, mais il y en a peut-être 500 pour tout le pays, sont des religieux, des théologiens, vont se servir de l'écriture pour créer du sens à travers l'écriture. Donc, vont inventer de nouveaux signes et vont donner à des signes qui existent déjà des valeurs qu'ils n'avaient pas. Donc, c'est une écriture extrêmement compliquée, savante, mais que plus personne à part eux ne comprend. Tous les autres se servent d'un autre type d'écriture. Vous nous avez montré une image où on voyait une écriture, un texte en écriture cursive, si je me souviens bien, où c'était écrit en rouge et en noir. Oui. Est-ce que le changement de couleur a une signification ou c'est purement esthétique ? C'est celle-là, hein ? Oui, c'est celle-là. Donc c'est un papyrus médical, comme je l'ai dit. Eh bien, figurez-vous que c'est là l'origine, en fait, de quelque chose que nous utilisons encore aujourd'hui. Donc, la couleur normale pour écrire, c'est le noir. Et très tôt, on s'est servi d'une deuxième couleur, le rouge en l'espèce, comme on fait encore maintenant, c'est-à-dire pour noter les choses importantes. Donc, dans les textes littéraires, les titres de chapitres sont en rouge. Dans les documents comptables, les dates et les totaux sont en rouge. Et alors ici, on a en fait une succession assez rapide. Donc c'est un texte médical et ce sont à chaque fois des courts diagnostics qui sont posés et puis alors ce que le praticien doit faire. Et le diagnostic figure en rouge. Et puis alors il y a de temps en temps des choses plus petites alors en rouge qui sont ici qui indiquent la posologie. Et donc c'est cette technique-là, bicolore du noir et du rouge, qui
qui est reprise à l'époque gréco-romaine, d'abord par les Grecs et puis par les Latins. Et donc, dans les manuscrits latins, on a aussi cette alternance entre le rouge et le noir, avec d'ailleurs un scribe spécial qui fait le rouge. Et comment dit-on rouge en latin ? Ça se dit ruber. Et la notice en rouge, en latin, ça se dit rubrica. Et c'est l'origine du mot rubrique. La rubrique, c'est donc cet encadré particulier que l'on fait en rouge. Et ça vient en fait donc d'une pratique de l'Égypte ancienne. Et puis alors le rouge a une valeur symbolique aussi, mais là c'est autre chose. Donc dans l'Égypte ancienne, le pays, l'Égypte, c'est ce qu'ils appellent la terre noire. Et ça vous le voyez tout de suite si vous arrivez en Égypte en avion, pas la nuit mais dans la journée. Vous voyez qu'il y a une bande, vous avez le Nil, bleu, plus ou moins bleu. Et puis de part et d'autre, vous avez une bande de 3-4 km dans le sud, hein, qui est la partie cultivée, noire, mais vraiment noire. Et puis après, c'est le désert. Et le désert, il est un peu rougeâtre à cause de la minéralogie de l'endroit. Et donc le désert, c'est le rouge, comme ils disent, et l'Égypte, partie cultivée, c'est le noir. Alors, métaphoriquement et symboliquement, le désert, c'est un endroit dangereux. Et donc le rouge va être associé dans les inscriptions, mais surtout dans les textes religieux, toutes les divinités et tous les génies potentiellement dangereux sont écrits en rouge. Et ça, c'est une valeur symbolique du rouge, et que l'on retrouve aussi, ben, par exemple, dans les copies d'examen, on souligne plutôt en rouge. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais vraiment remercier M. Winant, ainsi que toute l'équipe de sciences, les élèves également. Merci aussi pour vos questions, votre intérêt. Voilà, je pense qu'on a tous remarqué que le hiéroglyphe, s'il vous plaît, encore deux petites minutes. Voilà. Il y a une chose que je dois ajouter. Les cours reprennent donc dans 15 jours. Hein, donc voilà, les cours de première année, vous pouvez venir, c'est le mercredi. Il y aura des inscriptions. Voilà. Avis aux inscriptions. On dit parfois que le français, c'est compliqué, mais je pense que le hiéroglyphe, c'est encore plus. Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci. N'oubliez aussi. Pas, il y a également le petit verre de l'amitié avec quelques petits chips. Voilà, merci à vous, bonne soirée.